plaquer. Quand vous êtes sur la l'os, vous faites signer par monsieur. L'aile de l'Atlas est là, je le reconnais. La C2, c'est cette dernière que je coupe. Et je prends la gorge, je vais avec moi le larynx, la langue de larynx. C'est de l'eau du poumon. Le poumon n'est pas du Est-ce que la lame de pied est bonne? Mm-hmm. Ouais, c'est là. Vous pouvez voir le barré? Non, non, il n'a pas été changé. Et ça, c'est bon. Allez, n'oubliez pas que le chef vient ne s'installe pas pour vous. Il veut être, mais il ne faut pas lui laisser faire des réceptions. Il faut bien essayer. Et lorsque vous sciez, ne cassez pas l'os. Lorsque la scie est bien faite, vous pouvez vous appuyer dessus, ça ne gêne pas. Mais si c'est cassé, c'est aussi tranchant qu'un escarpin. Il faut bien scier. Voilà, le reste avec la viande. Vous pouvez compléter avec l'escarpin. C'est une autre chose que j'ai un peu. Bien, enlevez. Le bout de la tête. Tête équidée 3. Voilà, c'est pour vous là. Allez dans le couloir. Non, ils vont s'installer. Bien. Allez dans le couloir. On arrive. Vous rachetez bien. Vous faites en sorte parce que le côté Le côté droit depuis le matin, on a commencé à le gâter. Et lorsqu'on arrive ici, on respecte le cartilage escapulaire. Le cartilage de la scapula doit être entier. On ne le coupe pas. Voilà. Le membre thoracique, vous êtes bon. Cherchez votre place. D'abord parce que nous sommes de nombreux, on ne peut pas s'empêcher. Ensuite, le coronavirus nous oblige à le faire. Le coronavirus dit de le faire, camarade. On doit être isolé les uns les autres.
ceux qui ont coupé un membre pervers, coupe, c'est là. Les muscles de la fesse, le tenseur du fascia, les muscles du quadriceps, les demi-membres, les demi-tendineux, c'est votre région, ça coupe et membre pervers. Lorsque vous allez faire la coupe et la cuisse, la dissection continue sur l'autre membre. On coupe au milieu du premier contact et la dissection continue sur l'autre membre. Donc vous avez la coupe, la cuisse, la jambe et le pied, c'est sur l'autre membre. Pendant ce temps, ceux qui ont abdomen et bassin vont venir chez vous ouvrir le côté droit. Parce que vous n'avez plus que la moitié de la jambe, vous n'avez pas plus besoin de ça. Ce que vous avez disséqué ici, et ils détruisent ça de l'autre côté, ils vont jusqu'au ligament sacro-sacré pour voir ce qu'il y a dans le bassin. Dégrénement. Ah. Descends. Ok. Où est l'assistant? Ici là. Viens. Dia. Tu coupes les muscles psoas. Il faut ménager le rein droit. Tu as bien vu. Tu ménages et vous sciez. Attends, j'enlève le problème. Allez-y. Ne pas casser les os. Prenez ça. Attendez, parce que ça là, il faudrait qu'on vous trouve la place dehors. Bon, encore.